Il a mis 3 ans à le créer, ce restaurant. 3 ans difficiles pour trouver le financement, le local, puis faire les travaux, tenter d'ouvrir en avril et finalement ne le faire qu'en juin, et pour 4 mois seulement. Depuis, la salle et la cuisine sont vides. Mais Angelo Ferrigno est un homme tenace, optimiste et heureux, et ça ne date pas d'hier et de l'étoile. J'ai réussi à réaliser mon premier rêve d'avoir un restaurant. Ma priorité était de mettre en place une équipe, de mettre en confiance les personnes avec qui je travaille. Et puis, cette étoile, elle est arrivée rapidement, donc elle faisait partie des envies, mais c'était pas la priorité première, en tout cas. Angelo le reconnaît, une étoile a des avantages. Elle renforce l'esprit d'équipe. Il l'a déjà vécu en 2016, lorsque les Cariatides, où il travaillait, a obtenu une étoile. Antoine Garret, son fidèle complice, était lui aussi de la partie. C'est un travail d'équipe parce que quand le client rentre, déjà, Angelo n'est pas là. C'est soit alors ma collègue ou moi qui accueillons le client. Donc ça passe par le sourire déjà. C'est tout un univers qui fait que le restaurant marche bien et que la cohésion est là. Et... Une étoile, c'est aussi en moyenne un tiers de clientèle en plus. Mais ce n'est pas ce que cherche le jeune chef. Sa salle était pleine dès qu'il a ouvert. Ce qui le motive, c'est le plaisir, le sien et celui de ses clients. Alors le repos forcé ces dernières semaines l'a fait réfléchir. Peut-être réduire la capacité de l'établissement. En ayant moins de clients, on prendra plus soin d'eux. Et ensuite, fermer peut-être un petit peu plus pour avoir plus le temps de préparer. En attendant, Angelo peaufine sa réouverture avec des producteurs et des artisans locaux, c'est son credo. Ce matin-là, c'était avec sa voisine maroquinière pour créer les couvertures de ses menus.